c'est une arnaque plutôt bien ficelée qu'on va voir aujourd'hui. Très, très bien ficelée même. Aujourd'hui, on n'a pas affaire à des brouteurs ou des gens qui vous demandent de payer en PCS. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui viennent jusqu'à chez vous pour vous soutirer un maximum d'argent. Et là, on parle pas de 200, 500 euros d'un faux support technique Microsoft. On parle pas non plus d'une escroquerie de 1000 ou 2000 euros. Certains dans cette arnaque ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça a été compliqué. Pendant un an, je me suis pas versé de salaire parce que tout simplement, il fallait continuer l'entreprise. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien du tout. Et ça va même encore plus loin que ça. Certains ont perdu leur travail, leur entreprise, à cause de cette arnaque. Et d'ailleurs, on va voir le cas dans cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens et je pense qu'il y a énormément de commerçants qui ont dû se faire avoir. Et il y en a certains qui ont énormément, qui ont fermé leur entreprise, je suis certain. La personne qui m'a contacté a perdu un peu plus de 13 000 euros. Et comme vous allez le voir, la technique, elle est très, très bien rodée. Ils poussent le vice tellement loin, ils sont vraiment prêts à tout. Vous allez le voir, nos données personnelles ont un rapport direct avec cette arnaque. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est sponsorisée par Dashlane. Ça va vous permettre de mieux vous protéger. Je vous en parle en détail un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, je vous explique comment l'arnaque est organisée. La victime qui m'a contacté possède un magasin de vente de cartouches d'encre. Pour protéger son anonymat, nous allons l'appeler Franck. Un jour, Franck, dans une journée de travail ordinaire en pleine période estivale, reçoit la visite d'un commercial qui vient de la part d'une entreprise au nom de InfoPage Pro. C'est une entreprise spécialisée dans la communication et le référencement. En gros, il vous propose de faire de la pub, de la visibilité sur le site de guide de ville, les pages jaunes parfois, ou encore leur site internet. Tous les magasins de ville se font régulièrement démarcher par ce genre de société. Donc jusqu'ici, tout va bien, rien d'anormal. Mais Franck se souvient encore de cette période, car il a reçu plus de 10 commerciaux dans son magasin et qui lui propose plus ou moins la même chose. Trouvant les prix plutôt raisonnables, Franck signe quelques contrats avec le cachet de l'entreprise. Sauf que, quelques mois plus tard, Franck commence à recevoir des emails plutôt bizarres. Et puis ça a commencé par des mails et des mails et des mails de demandes de paiement en fait. Ils avaient en fait ma signature et mon cachet. Des bons de commandes signés avec sa main et avec le cachet de son entreprise. Ce sont des bons de commandes qui lui réclament le paiement de prestations. Et comme Franck avait reçu pas mal de commerciaux et voyant sa propre signature, il s'est dit qu'il avait probablement accepté certaines prestations intéressantes. Donc Franck décide d'effectuer les différents paiements demandés. Il se doute de rien et je peux le comprendre. Quand il a vu sa propre signature et le cachet de son magasin, pour ne pas avoir des problèmes avec les sociétés de recouvrement, etc., il décide donc de payer. Une facture, deux factures, trois factures. Et les sommes, elles sont de plus en plus élevées. Et les emails sont de plus en plus nombreux. Ce sont des emails envoyés avec plusieurs noms de sociétés différentes. Mais toujours avec la signature et le cachet de Franck. Leur façon de faire, c'est de dire simplement « Bonjour, on vous appelle pour vous dire que votre campagne est prête à être mise en ligne ». Et de là, directement, on est un peu surpris. Mais si on a été démarché par des commerciaux, on se dit « Bah oui, c'est vrai que j'ai eu du monde ». Quand on n'est pas très aguerri, on le signe. Et en fait, c'est le bon de commande. Et puis là, on se fait avoir. Jusqu'ici, notre victime a payé près de 13 000 euros. Voyons le nombre de mails qui ne s'arrêtent jamais. Quand Franck ne répondait pas à certains emails, et recevait des relances, et parfois même des coups de téléphone lui mettant la pression. C'est à ce moment-là que Franck a commencé à trouver cette histoire louche. Toutes ses factures signées de sa propre main, etc. Mais tous les bons de commande que Franck recevait n'ont jamais été signés par sa main. Enfin, si, mais pas vraiment. Je vous explique pourquoi. Les commerçants qui ont été chez notre ami Franck, ils sont pas repartis avec les mains vides. Ils avaient un papier signé, tamponné par la victime. Vous me voyez venir ou pas encore? Les personnes, en fait, ils embauchent des personnes. Les personnes viennent, proposent des contrats, ils récupèrent la signature, le cachet. Les bons de commande reçus par Franck, ils étaient en format PDF. Des PDF qui pèsent 2 mégas environ. Un fichier PDF de quelques lignes et qui pèse 2 mégas, c'est pas très courant. Et vous allez voir pourquoi ce fichier pèse 2 mégas. Car la raison, elle est surprenante. Comme je suis informaticien, je m'en suis voulu beaucoup parce que j'aurais dû me rendre compte qu'un fichier PDF de 2 mégas, c'est pas normal. Si on regarde en profondeur et on ouvre le PDF avec Photoshop, on se rend compte qu'il y a plusieurs calques. Et parmi les calques, on retrouve un filtre de la signature de Franck et son cachet. J'avoue qu'ils n'ont pas été très fut-fut sur ce coup. Ils ont pensé à tout, sauf compiler un PDF correctement. Donc ces personnes utilisaient la signature et le cachet de Franck pour lui extorquer de l'argent. Donc grâce aux données que Franck a données par lui-même, il a perdu 13 000 euros. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler de Dashlane aujourd'hui, qui vous permettra de mieux protéger vos données personnelles. Nous utilisons notre ordinateur et plus précisément Internet tous les jours. Alors durant notre navigation, des sites on en visite par centaines. Et il est donc fréquent de tomber sur des sites frauduleux, qui essayeront par tous les moyens de récupérer vos données. Dashlane que je vous présente aujourd'hui est un célèbre gestionnaire de mots de passe qui vous rend la navigation sur Internet plus simple, plus sûr et ce sur tous vos appareils. Dashlane vous permettra de gérer votre identité numérique et distocker tous vos mots de passe, en passant par les informations personnelles, financières, etc. Et tout ça de façon sécurisée. De plus, un VPN est intégré pour éviter de vous faire espionner durant votre navigation. Simplifiez-vous la vie ici Dashlane gratuitement sur votre premier appareil en allant sur dashlane.com/sandoz. Après, si vous voulez la version premium, utilisez mon code sandoz et vous aurez 50% de réduction. Personnellement, je l'utilise tout le temps et il est vraiment très utile. Donc si ça vous intéresse, vous trouvez tous les liens dans la description. Maintenant que vous êtes protégé, on retourne à notre histoire avec Franck et on va essayer d'en savoir plus sur les personnes qui l'ont démarché. Ils avaient en fait ma signature et mon cachet. Donc je pense que c'est la même société qui fait ce genre de choses. Mais là, le problème, c'est si je vous ai contacté, c'est simplement qu'ils commencent à le refaire à partir de maintenant. Pour savoir qui se cache derrière tout ça, on s'est concentré sur les sites internet en question. Sur le premier bon de commande, on a une société au nom de InfoPage Pro. Et leur site internet est simplement infopagepro.com. On se connecte sur le site pour voir, et dès qu'on arrive, on est très bien accueilli. Mon antivirus qui m'annonce qu'il a bloqué un cheval de Troie. Pour faire simple, c'est un logiciel malveillant. Et heureusement que j'étais pas sur mon ordinateur personnel. On continue la fouille numérique sur le site. Dans les mentions légales, il est mentionné que InfoPage
Pro appartient à la société Groupement Information des Entreprises, qui a fermé suite à une liquidation judiciaire le 4 juillet 2019. Zut alors. Bon bah, on va devoir aller fouiller ailleurs. Comme je dis avant, Franck recevait plein d'emails avec des bons de commande différents. Et cette fois-ci, c'est une autre société qui n'a rien à voir avec Infopage Pro, mais je suis sûr que le bon de commande vous rappelle quelque chose. Oui, oui. C'est la même template que Infopage Pro. Ils ont juste changé le logo et le tour est joué. Le site cette fois-ci est au nom de Guide des Villes. Et d'ailleurs, c'est la même template que le premier site. Mais dans les mentions légales, on retrouve un autre numéro RCS qui appartient ici à une entreprise au nom de BH.com. Et devinez quoi, elle a également fermé et elle est en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2020. Donc là, il y a seulement quelques jours. Ils sentent la foudre arriver. C'est pour ça aussi que je me suis permis de vous contacter, parce que je sais que vous faites des enquêtes à un plus haut niveau parfois, mais je me suis dit que c'était comme j'ai eu cet appel en début de semaine, je me suis dit que c'est en train de refaire. Le gérant de cette entreprise qui est en pleine liquidation judiciaire, c'est un certain Guy Brosseau. Quelques recherches sur ce fameux Guy et on tombe sur son CV et on constate qu'il exerce le bon métier, à savoir le référencement naturel. Exactement ce qu'on a proposé à Franck. Un peu plus bas dans le CV, on peut voir qu'il était aussi le directeur de PagePro118.com. PagePro118, Infopage Pro. Bon bah aucun doute, tout est lié. Mais il y a un très gros mais. D'après son CV, il est actuellement le directeur de SEO40, encore une autre société qui fait du référencement naturel. Et quand on se penche sur sa dernière activité, en l'occurrence SEO40, il y a un autre personnage qui se prétend aussi le directeur de SEO40. Sauf que c'est pas du tout le même nom, car ici c'est un certain Christophe. Et je vous jure que plus je cherchais des informations, plus je tombais sur des folies. Qui est qui dans cette histoire? Qui gère quoi? Je vais vous épargner toutes les recherches, mais dites-vous que c'est un véritable bordel. Comme je l'ai dit en début de vidéo avec Franck, on a décidé de faire cette vidéo pour l'unique but de vous informer et vous mettre en garde contre ces pratiques. C'est reparti en fait. Donc c'est toujours en octobre, novembre où ils commencent à contacter les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens et je pense qu'il y a énormément de commerçants qui ont dû se faire avoir. Et il y en a certains qui ont énormément, qui ont fermé leur entreprise, je suis certain. Le préjudice, il est là hein, de toute façon. Bon, moi, c'était vrai que là-dessus, ça a été compliqué. Pendant un an, je me suis pas versé de salaire parce que tout simplement, il fallait continuer l'entreprise. Mais ce qui m'a donné le courage, c'est simplement la famille et puis de faire en sorte de continuer à servir les gens au mieux comme je le fais pour que je puisse continuer. Et heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Ce qui est vraiment assez, entre guillemets, je suis obligé de le dire, qui est malin de leur part, c'est qu'ils démarchent soit en début d'année ou au mois d'août. Et en fait, on oublie directement s'il y a des petits commerciaux qui passent dans le magasin. En fait, c'est souvent en période estivale ou un peu avant. Et ils appellent quelques mois après. Comme ça, nous, on a oublié, en fait. Et c'est très bien rodé. Et après, effectivement, on reçoit des appels. Donc, c'est toujours des 0971. Je vais faire le listing des appels. Bon, j'ai changé de téléphone dernièrement. Donc, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup. Mais au moins, je vous donnerai tous les éléments que j'ai. Après, effectivement, le plus gonflé, c'était les fameux services de recouvrement. Comme si c'était un avocat en fait, et ce n'est pas du tout un avocat, vu que effectivement je le contactais uniquement par téléphone portable. Pour moi, c'est du passé. Maintenant, moi, ce que je voudrais dans cette histoire, c'est que les gens soient au courant et soient aguerris là-dessus en fait. En ce qui concerne Franck, il a déposé plainte et je lui ai transmis également les éléments qu'on a pu découvrir, histoire de faire bouger un peu les choses. J'ai sorti cette vidéo maintenant car c'est la période où les petits commerçants vont commencer à être démarchés. Déjà qu'on vit une époque inédite, les petits commerçants après le premier confinement ils avaient un genou à terre et là avec le deuxième confinement ils risquent vraiment de mettre la clé sous la porte. Donc en plus de tous ces problèmes, t'as des connards, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui profitent de leur détresse pour leur soutirer de l'argent. Ces pratiques doivent tout simplement cesser. Aidons les petits commerces comme celui de Franck, essayons de faire bouger les choses à notre échelle. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo, pour alerter un maximum de monde. Faisons une barrière ensemble. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain. La vidéo de mercredi prochain risque de beaucoup, beaucoup vous plaire. C'est une enquête qui va mettre à mal une très grosse société française. Voilà, j'en dis pas plus. Sans trop vouloir vous spoil, ça va être magique et vous risquez d'être choqué. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je compte sur vous pour respecter les gestes barrières et surtout rester chez vous. C'était Sandoz et je vous dis à très très vite. Ciao.